Salut les amis, bienvenue. Salut. On est là avec Coconut. Bonjour, bonsoir, je sais pas où vous êtes. 6 heures de décalage, des milliers de kilomètres. On est en direct du Québec. On va lui faire de la cuisine française, de la pâtisserie même encore plus dure. Donc, connaissez notre ami Coconut qui vient du Québec, quoi. Montréal. En tabernane. Les éclairs au chocolat, du coup, aujourd'hui, les amis. Les éclairs. Non, c'est pas si dur. En vrai, c'est dur si tu sais pas comment t'y prendre. En étant bien guidé, ça devrait aller. Ah bon. On va faire le système métrique, ça te va ou pas? Ah putain, j'ai pas pensé. Ça va être des grammes et tout. Hein. Oh là, tu vas penser. C'est quoi cette merde? Elle te prend pour un cassos, mec, réagit. Mais pas pour un cassos. Est-ce que c'est un cassos? Non, c'est ah ouais. Un cassos, c'est un mec, c'est-à-dire un cassos. Donc c'est un mec qui est con, tu vois. Qui est con, mais genre. Oh, ouais, je te prends pas pour un con. Non, c'est un peu un. Comment on dit un cassos social en. Comment expliquer? Un joint de culasse. Non, je suis un cassos, peut-être. Oh, sauf qu'il y a le système métrique. Hein. C'est quoi ça? 60 grammes d'eau, 50 grammes de beurre. Ah oui. Mais du coup, tu savais vraiment pas ce que c'était le système métrique? C'est quoi? Tu savais vraiment pas ce que c'était le système métrique? Non, je pense pas. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Ouais, moi, je dis 20 grammes, 15 grammes. Ouais, ça. C'est ça. Alors, 60 grammes de lait, tu pèses dans une casserole, 60 grammes de lait, et après 65 grammes d'eau. Tu saurais me faire ça ou pas? Cool. Non, moi, c'est en lait. Bah, 65 millilitres et 60 millilitres. Ok, c'est ça le système métrique. Ouais. Ok, je le connais pas. Oh, ça me tue. C'est comme les Américains qui savent pas placer l'Europe et tout, tu vois. Là. Jamais entendu parler. Vas-y, 60 ml de lait, 60 ml d'eau. Mais tu peux le faire à la suite, ça fera en tout 125 grammes de lait. Ouais, la merde dans mon lait, en tout cas moi, d'ailleurs. C'est correct. Non, c'est pas possible. Ah, t'as dit 65 ou 125? Non, d'eau, t'as mis combien? 125. Ah non. Non, 60 d'eau. Une erreur. 60 d'eau et 65 de lait. Oh my god, c'est Phil qui crie en arrière, c'est pas 125! Hey Phil, tu m'as sauvé! Les gars, ça va être chaud. Ça va être chaud, elle est encore plus distraite que moi, ça va être énorme. T'as vu, j'étais énorme. 50 grammes, c'est. Ah, t'as une balance? Non. Il y en faut. Mais mettons que ça, c'est 450. Ouais. Tu coupes un neuvième. Oh. Tu fais 9 petits traits égaux et tu coupes. Coupe en 3, et après tu recoupes en 3 tous les morceaux de 3. Oh, bonne idée! Moi, je suis ingénieur. C'est ça le système métrique? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, putain! Allez, c'est bien. Allez! En plus, ça va, la pâtisserie, c'est pas au gramme près, donc franchement, c'est tranquille. Ouais, c'est ça, bien chier. Bon, je mets ça. Je mets ça dedans? Ouais, mettre dans l'eau, ouais. Mais non, mais t'as pas une spatule en bois ou quelque chose de mieux? Là, c'est quoi ça? C'est. Mais c'est ton cuisine? Non, non. Donc, 20 grammes, c'est. Mais t'as pas un truc? C'est t'as quoi? Pas un. T'as pas des repères? Il est pas marqué sucre? Où c'est? Sur ton truc. Il y a que des millilitres? Ouais, il y a cups, 11. Et après, il y a quoi d'autre? Litres. Et après? La merde, ça! Ouais, peut-être de balance. Ok, donc là, on a besoin de mettre la farine. Ouais, alors tu vas peser la farine, ouais. J'ai pas de temps. Putain. On a 75 grammes de farine. Là au niveau de la scène, on est mal. Là on a la scène très très rétractée. Alors on est sur un stream sans système métrique, sans balance. Une streameuse invitée qui est légèrement déconcentrée. Avec une concentration vacillante. Vous allez peut-être voir les éclairs les plus contestables qu'on ait jamais vus. Ou peut-être les meilleurs de toute l'histoire du Québec. C'est pas des fois ils parlent, gars. En tout cas, vous verrez la gueule qu'ils auront. Ça, on pourra pas tricher. Étant donné qu'il ne va pas goûter, elle pourra dire que c'était excellent quoi qu'il arrive. Ouais, mais si l'éclair, il est biscornu, vous allez bien le voir. Croyez-moi, si l'éclair, c'est une espèce de flaque comme ça. Dans le prochain épisode de Dragon Ball. Possible. Vous savez, il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup d'attention. Tu peux pas les laisser 2 secondes dans le parc. Bah, c'est un peu. Non, rien. C'est un exemple que je donnais. C'était une métaphore. And the Oscar goes to. Vas-y, envoie tout. Et là, tu touilles comme une zinzin. Et y en a dans le fond. Vas-y, envoie tout. Mais ça, c'est parce que c'était mouillé, parce que t'as mis de l'eau avant. Ouais. T'as pas séché. J'ai jamais aussi peur de ma vie. Hein. Non, je rigole. Est-ce que à date, je suis la peine d'inviter? Pour l'instant, ouais, largement. Oh. Après, désolé, on a eu que 3. Non, j'en ai eu que 3, donc. Non, ça va. Tu dois déjà manger des éclairs. T'as déjà mangé des éclairs ou pas? Non. Ça sera la première fois. Ça sera les meilleurs éclairs que t'as jamais mangé, en tout cas. Je suis un petit peu là. En fait, c'est pas loin, en vrai. On est d'accord. T'aimes bien ça, manger des patates? Bien sûr, on peut le dire. Des patates. Tu sais, nous, au Québec, on dit que t'as une patate dans la gueule. Une patate dans la gueule, quand tu parles un peu comme ça. C'est le gars qui a la plus grosse patate dans la gueule au monde, et tu comprends rien quand il parle. Est-ce que c'est vrai que les Français vous disent tape dans le fond, je suis pas ta mère? On ne dit jamais. C'est un truc que tu dis pour faire une blague, mais tu vas pas vraiment le dire. Tu vas pas vraiment le dire. Les gars, je peux plus. Combien de temps? Je dois faire ça encore 20 minutes? Non. J'ai hyper impatient. T'as les crampes de thé. Alors, on brasse cette merde. Après, tu prends un peu. Ah, c'est un peu liquide, ça rase. Non. Dans la merde.
Bon, on va essayer quand même, les gars. 60 grammes de lait, 65 grammes d'eau. Ça, ça dit 14,8 millilitres. Ça va être plus facile de calculer. Donc, c'est combien que ça dit? 60 millilitres de lait. Et divisé par 14,8, ça veut dire 4 cuillères comme ça de... Vas-y. Ok. Et ben, donc, 4 comme ça, ok. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que je me fais chier dans ce endroit? Vas-y, mets le beurre. Ah, ok, tout de suite. Okay. Ça va tomber. Oh! Ah non, mais c'était sûr. Envoyer le pâté, tu connais envoyer le pâté? Non, c'est quoi? Ça veut dire envoyer la sauce, quoi. Ça veut dire décalisser. On envoie le pâté! Ça veut dire y aller, quoi. Ça veut dire taper dedans, quoi. Sugar! Dans le fond, je parle à ta mère. Exactement. On peut parler en même temps. J'ai mangé très sucré, j'ai vomi. On va pas vomir aujourd'hui, s'il te plaît. Pas y vomir ce matin, là. Ah non. Okay. Ouais, c'est pas mal en vrai. Est-ce que tu penses que mon chaudron, il est pris pour un nouveau? Ton chaudron, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses que je devrais en acheter un nouveau? Ouais, un peu. Ton chaudron, elle a dit chaudron. Ton chaudron. Quoi? Une casserole. Ah, mais on dit chaudron. Un chaudron, t'es un truc énorme. Bon, honnêtement, les gens trouvent qu'il est pas assez abîmé, certains. Le lait. 500 ml de lait dans ta casserole. Vas-y, oh, okay. Tu vas prendre des œufs, 4 œufs. Et est-ce que tu sais séparer le blanc des jaunes ou pas? Ben, je peux essayer, là, pour que tu fasses un truc comme ça. Ouais. Je pense que je vais être capable de le faire, gars. Vas-y, alors tu casses doucement, à plat, tu casses doucement et après trouve avec à les mains. Plat? Ouais, un petit peu. Doucement. Et après, tu ouvres gentil pour que ça s'ouvre bien en deux. Et là, tu fais passer le jaune de coquille en coquille, de scène en scène. Vas-y, t'inquiète, ouvre-le en deux. T'inquiète, ouvre-le bien en deux, ça va pas être pour pire. Voilà. Concentre-toi. Tu dois le faire 4 fois et là on sera très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Vas-y, c'est bien, c'est super. Il va sortir, il sort. Ok, là je fais quoi avec l'autre déjà? Non mais attends, sors le blanc là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est bon. Le jaune, tu le mets dans le saladier propre. Dans le saladier propre. Vas-y. Je pense que ta technique était pas bonne. Ouais, peut-être, c'est peut-être ma faute, ouais. Parce qu'il me semble que si tu l'écrases comme ça, il y a trop d'écart. Un tout petit coup, normalement, sec. Mais t'inquiète, fais comme tu sais, toi. Ah, oh, ok, vous. Oui. Ah, tu vois. Oh non. Oh, j'en ai mis partout sur mon téléphone. Regarde ça. Mets 100 ml de sucre. Il est lancelé. Là, Tarantino, j'ai envie de te prendre dans mes bras avec cette crêpe de génie. Oh! Et là, tu vas mélanger avec ta. Est-ce que t'as un fouet? Comme un whip, je crois, ouais. Vas-y, et là, tu fouettes comme une zinzin. Sans en foutre à côté, je te connais. C'est là que tu vas mettre la fécule de maïs. Je t'ai fait acheter. Oui! Donc là, tu vas mettre. Je dirais 2 cuillères à soupe bien bombées. Ça, c'est pas une cuillère à soupe, qu'est-ce que tu me fais? Tablespoon? Vas-y, mets deux de ça. Attends, bien attends. Bien bombé, là, genre loadé, là, en bon terme. Loadé, ouais, c'est ça. Deux fois, vas-y. Si ça marche pas, je vais me chier à la yell. Hey! Vas-y, mélange ça. Vas-y, ça dit quoi, là? Montre un peu la pâte à la cam. Vas-y, rajoute une troisième cuillère. Parce que là, je vais utiliser mon instinct. L'ultra instinct, tu connais ou pas? Son Goku. Non. Ouais, c'est pas grave. Non. Tu vas avoir du soleil. Tu mets un peu de lait dans ton affaire? Ouais, si, parce que sinon, ça va pas couler, tu vois. Le feu, ça va pas couler? Ça coule pas bien, ça? Montre-moi combien t'as mis de farine parce que là c'est important. Ta cuillère elle fait combien en mesure? C'est quoi comme quantité ça? C'est une cuillère à soupe, fait que c'est 14,8 millilitres. 14,8 millilitres? Putain, je suis en tabarnak. 14, tu m'as dit 14? Ok, vas-y, bah remets 2 cuillères, tu sais quoi. Vas-y, on met tout ça, mets tout d'un coup. Et après, tu vas continuer à touiller doucement, et en fait, ça va chauffer. Et quand ça sera chaud, et ben tu vas voir, ça va devenir épais. Touille gentil. Je le brasse? Tu brasses avec l'autre, ouais. Je le brasse. C'est épais? Hey, wow! Vas-y, touille vite. Faut pas que ça fonde, sinon ça va attacher au pont, ça va être une merde. Yo, c'est fucking... Trop épais? T'as encore du lait ou pas? Non, mais c'est comme ça. T'inquiète, ça va le faire. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le chocolat dedans et tu vas faire fondre ton chocolat en le mettant... Ah, ok, let's go. Ça, c'est facile. 150 grammes de chocolat. Ok, là, j'ai 170 grammes. 150, il faut. Peux-tu mettre 170, je crois? Ouais, mais il faut mettre 150. Hein. Mais un peu moins. T'es précis, quand même. Attends, là, déjà, on n'est pas précis. T'es pas contente? J'apprécie beaucoup, mais c'est comme... Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre les œufs petit à petit, tu vois, dans ta pâte de tout à l'heure. Tu vas en mettre un peu, tu vas touiller. Ok. Et là, il faut que tu mélanges. Vas-y, agressivement. Ça va faire des bruits suspects. Mets-le proche du micro, ça va plaire aux gens, ça. Vas-y. Les bruits suspects. Alors, les entends, les bruits suspects. That's what good pussy sounds like. You guys are disgusting. Ah, c'est dégueulasse, les gars, c'est pas possible.
Ah non, mais arrête. Qu'est-ce que tu fais là? Mais là, Carlis. C'est quoi que tu fais là? Ok. Là, on l'entend bien. C'est pas ce que vous pensez. Prends la cuillère. Et là, on va avoir un check-up. Putain, c'est un peu liquide, hein. Encore? Ça paraît que c'est une recette française, on peut pas la produire. Ouais, je crois que c'est l'air ambiant qui va pas. C'est si pire que ça, hein? Pourquoi ça fait des bouloches et tout, là? Ça va pas? Pourquoi c'est pas net? Je comprends pourquoi ça fait ça. J'ai jamais vu ça. Est-ce que t'as les ziplocs que je t'avais dit, là, les trucs... Oui, j'ai ça. Vas-y, on va essayer de faire avec ça. Franchement, c'est chaud, mais on va essayer. Tu mets tout dans la poche. Ce que tu vas faire, c'est que tu prends un verre, ou un vase, ou un grand cup, et tu vas le mettre comme ça. Ouais, c'est bien. Ouais. On ziploc, tu l'ouvres, un peu comme un condom, mais à l'envers. Et comme ça. C'est horrible. Ouais, c'est ça. Et tu vas mettre la pâte dedans. Et en fait, tu vas couper avec un ciseau le petit bout, le petit coin. Et après, tu vas squeezer et ça fera comme des petites bandes. Il faudrait que tu fasses des bandes. Tu vas prendre une plaque, comme une plaque de cuisson, et tu vas faire... Non, c'est pas vrai. Oh, laisse! Est-ce que t'as des feuilles comme du parchment paper? Ah, du parchemin, genre? Voilà, exactement, pas du parchemin. Je savais que tu dirais ça. Désolé, mais je crois que tu vas rester la moins bonne. Mais non, imagine ça, le résultat est excellent. Bah, peut-être, ça va être énorme. C'est le cheminement pour se rendre, c'est pas ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Là, tout le monde connaît. Oui. Là, sur ta plaque, oui. Tu fais des petites bandes, des petits boudins. Des boudins? Je sais pas ce que c'est un boudin. Comme des petits doigts. Ok. Celui-là, par exemple. Ok, attends, dis-moi si c'est bon. Vas-y, doucement, ouais, c'est bon. Pas trop. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Non, mais ils sont trop grands. Plus petits que ça. Allez, et en vrai, ils sont. Eh, franchement, moi, je commence à y croire de plus en plus. Ils commencent à être pas mal. En vrai, si ça cuit bien. Vas-y, enfonce un peu quoi? Mets-les dans le four. Ok. On enfonce rien. Vas-y, whisk bien. Ça va devenir fondant. Putain, elle est en tabarnak ta crème là. C'est quoi le mot que tu disais pour se frotter le chien qui se frotte sur le chat ou je sais plus quoi? Zigné. Ah, zigné. Zigné, c'est quand ton chien il agrippe la jambe. Et qu'il fait comme ça. C'est trop drôle qu'ils aient un mot. Ils ont un mot pour dire faire semblant de faire du sexe sur un humain quoi. Je peux pas dire quoi, ça. C'est quoi grainé? Grainé, non. Est-ce que tu sais c'est quoi une graine? Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Ouais, ok. Ok, vous dites graine aussi, une graine? Non, pas une graine. La bite, la graine. La graine, c'est la bite? Ah, non. Genre, t'as une grosse graine, c'est genre... Ah, c'est horrible. Pis y'a un chanteur. Moi, si elle me dit ça. Il a grainé le verre d'une fille. Ah non, fait pas ça. Ouais, il a grainé le verre. Fait que je sais pas si c'est bon. Il a mis son pénis dans le verre. Faites ça? Ben non, mais lui, oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a été cancel parce qu'il a grainé un verre. Bah, j'espère qu'il a été cancel. Ouais, il est dégueu. Hey, est-ce que vous dites des boules pour des seins ou non? Des seins? Les boules. Non, les boules, c'est les couilles. Ok, c'est ça, nous, les boules, c'est les seins. C'est bon de savoir si une meuf te demande, je peux voir ses boules par instinct, j'aurais dit non. Voilà, je suis comme Tibro. Je me serais fait avoir. Elle a dit, est-ce que tu vois mes boules? J'aurais dit, pas tant, là, c'était en Thaïlande. Graine mon verre, je suis pas ta mère. Graine mon verre, je suis pas ta mère. Mais je vous avais dit que c'était une cinglée. C'est sa faute, hein. C'est elle qui m'entraîne. Vas-y, sors-les, on est en tabarnak. S'ils sont pas bien dorés, par contre, on est mal, hein, parce qu'ils vont retomber comme des crêpes, hein. Merci à toi. Oh. Quoi? Non. Quoi? C'est catastrophe. Dommage ça, je comprends rien. Oh, ça l'a pas levé? On dirait des doigts de dame. Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un échouerait une recette? Ouais. Ah! And it's me!